Tout le monde, parmi les défis qu'il y a pour lever là, c'est permettre de gagner sécurité et que l'école rouvre dans le département de l'Ouest, dans la Bas-Lati-Bonite, l'école qui n'a pas fonctionné depuis 2 mois. Hein? Mais avant ça, il y a une quantité d'élèves qui étaient obligés de courir, quitter la CAIO, quitter le quartier à cause de bandits d'examen. Une quantité l'école qui n'a pas fonctionné, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, là, l'école, pas de personne élève qui prend la route pour aller à l'école, à part l'école qui fonctionnait à distance, donc en ligne. Hier, nous t'ai parlé de sujet ça dans le journal là, en matin, qui ça a fait pour question examen, il y a des propositions qui fait un sens ça, mais pour une idée de situation, nous allons parler avec directeur départemental éducation l'Ouest là, matin là, n'a pas parlé de Étienne France Louis seul qui c'est directeur départemental éducation l'Ouest pour un tableau de situation et pourquoi pas qu'on a qui ça qui apprend comme disposition pour permettre Simonio pas perdu année scolaire 2023-2024. Directeur Étienne France Louis seul, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Denis, bonjour ce panel là et bonjour à toutes les auditeurs auditrices Radio Caraïbes qui écoutent nos matins. Son petit matin pour m'avoir. D'entrée de jeu, présentez-nous situation l'école dans le département l'Ouest là pour le moment on a parlé là. Alors, Bon, moi descendez le je volume suis radio qui va autour tableau. là, s'il vous plaît. Moi, sur le temps des tableaux et Johnny Chopin, c'est effectivement ça. C'est une situation qui est vraiment alarmante. Et le département de l'Ouest a trouvé une situation depuis 29 février, une situation extrêmement difficile. Mais ce n'est pas tout le département de l'Ouest là. Alors, il faut nous rappeler que c'est Bassin-Port-au-Prince. Le Bassin-Port-au-Prince là, c'est l'école qui est dans la zone, c'est l'école qui est dans Port-au-Prince. Pétionville, Tabac, Croix-des-Bouquets. Gagné de l'autre région, l'école a fonctionné normalement. Je me rappelle que on zone dans la Bonave depuis septembre, depuis octobre, l'école a travaillé sans camper. C'est presque même cas de figure là pour Léogane, Petit Gouave, Grand Gouave. Carrefour, par moment, l'école fonctionnait, mais ça s'est passé il y a de cela 2 semaines, fait un ralentissement dans l'activité scolaire. Mais pour Port-au-Prince, c'est là tout problème là jusqu'à hier, pas gagné l'école qui fonctionnait dans le centre-ville Port-au-Prince. C'est vrai qu'il y a pile tentative qui fait, ou du moins il y a de l'école qui choisit et fait Timonio suivre quoi en ligne, mais nous toujours dit que la meilleure façon pour dire qu'on apprend, c'est dans la salle de classe soulier, c'est pour le bon côté camarade, et puis pour enseignant en présentiel à faire quoi. Situation en font-il évoluer, c'est-à-dire améliorer dans Vaudelma, puisque on a constaté que l'école d'Elmaro travaille plus ou moins bien. Et Pétionville, tout le monde, net amélioration sur la fréquentation scolaire. On a regardé lycée. Lycée Pétionville la travail, lycée Horacio travail, lycée Daniel Fiolet qui retrouvait dans une situation extrêmement difficile, jouait non point de chute dans le lycée Horacio qui hébergeait lui, et même lycée La Saline, dans un côté, il fonctionnait. Mais tout le gros problème, c'est surtout dans le centre-ville Port-au-Prince, côté Jodiala Pagayon, grain l'école qui a fonctionné, et ceci depuis le 29 février, depuis situation. Violence qui gagne en tant que pays. Donc, c'est sa situation. Hein? Ça peut empêcher que l'autre zone, c'est l'homme dit, votre présent, tabac va épargner tout. C'est vrai que qu'il faut qu'on fasse dans un tabac là pour qu'elle prenne l'école de l'ouvrir. Mais la situation était presque même genre. Et tabac et quoi des bouquets, et bien l'école n'a pas de travail du tout. Mais nous avons dit que pour zone là, des régions des Palmes, Léogane, Tigouave, Carrefour, la Gonave, là dans tous les cons, ça a fonctionné normalement. Donc, c'est sa situation dans l'Ouest. Oui, mais alors. Oui. Il y a une chance de parler avec Marie-Jeanne, qui est censée épuiser toute option.
c'est seulement en ligne il fait classe d'examen au travail. Et pas oublier que Port-au-Prince, c'est là nous avons tout au lycée, lycée Pétion, lycée Toussaint Louverture, lycée Fritz Pierre-Louis, lycée Jean-Jacques, lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, et bien l'école ça jusqu'à présent, nous pouvons reprendre l'activité scolaire, donc mettez-nous dans une situation extrêmement difficile. Le plus gros problème là, c'est d'Acadie, ces zones dans le temps de Port-au-Prince qui pas fonctionné du tout. Et c'est pas seulement l'école publique, mais même l'école privée pas fonctionné. Donc c'est sa situation. Mm-hmm. Est-ce que nous avons chiffre, par exemple, directeur, sur quand c'était l'école, par exemple, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui n'a pas fonctionné, qui est obligé de déplacer ou bien qui est relogé? Donc il y a des chiffres comme ça, non? Disponibles? Nous avons des chiffres comme ça. Par exemple, pour disques de Port-au-Prince, pour les deux disques de Port-au-Prince, Port-au-Prince Nord et Port-au-Prince Sud, nous avons environ 400 écoles qui n'ont district ça. Donc qui est fermé, qui n'a pas fonctionné. Qui est fermé, qui n'a pas fonctionné. Bon, nous avons une situation déjà où il y a une critique par rapport à des déplacés qui ont occupé des espaces pour nous. Il y a un gros effort qui a été fait au côté ministère là pour nous reloger l'école ça quelque côté. Mais et avec violence qui a gagné le 29 février, avec tout le monde dans le centre de ville Port-au-Prince paniqué, et l'école a subi des conséquences à tout. L'école n'a pas épargné, donc l'école est vraiment dans des grosses difficultés pour fonctionner. L'école a des difficultés pour fonctionner, donc si vous avez des difficultés pour apprendre. Qui ça déjà stratégie pour permettre que Timounio t'a rattrapé et ça au perdu pas totalement puisque nous connaissons un nombre d'heures que Timounio doit passer à suivre cours ça qui est impossible selon moi-même pour rattraper mais qui ça option yoyé est-ce que y a possibilité pour que il y a un examen officiel qui est réalisé et que Timounio élève pas perdu année totalement. Bon, pratiquement, on communique que le ministère a été sorti, ça a gagné environ 3 semaines, côté l'été, remanié calendrier scolaire là. Bon, et on a été accueilli justement et remaniement ça, mais on connaît que l'Ouest, pas sous même, nous ne pas considérer l'Ouest la même chose que l'autre département. Yo. C'est vrai que, je dis à la, tout l'autre département, tout l'autre 9 départements, yo, sur le rapport que vous avez le ministère, là, toute l'école a marché. Mais nous-mêmes dans l'Ouest, nous sommes obligés de prendre. Deuxième communiqué qui nous sortit qui dit eh bien, nous sommes obligés d'utiliser notre stratégie pour débattre l'Ouest. Calendrier, et nouveau calendrier a bah, des dates pour l'examen, mais nous-mêmes, nous sommes sûrs que nous avons paré pour nous concluder dans la date ça. Heureusement, depuis tantôt. Présent, on a fait une expérimentation avec CPEV qui est son permanent d'évaluation. Côté que, nous avons fait élèves composés, mais ça allait au Paris. Ça a arrivé que, dans l'examen, pas fait tout là. Ça a arrivé que, et on école, par exemple, on dit que dans la compétition ville, lui qui a participé dans l'examen, on a dit, qu'est-ce que nous voulons avec l'autre département? Mais ce n'est pas le cas pour l'école qui est Port-au-Prince. Donc, heureusement, mon nouveau coordonnateur que vous mettez dans le tête, c'est le travail d'un gaspillé, pour que nous donnions toutes dispositions que l'élève est composé, les ça possible et les au Paris. On est en situation de l'Ouest là, Port-au-Prince en particulier, extrêmement difficile. Jusqu'à quand on a fait un rôle là, on a continué l'école Port-au-Prince a recommencé le travail. Donc, à travailler sous calendrier, sous table d'examen pour yo. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment. Et ces peuples-là, c'est là le bras nous allons mettre dans le bras. Il est tout élève qui a composé normalement. Laisse apparaître, laisse sentir capable. Directeur Étienne France, lui seul, je ne sais pas si chiffres sont bas à l'heure là. Est-ce que le concerne l'école publique yo? Seulement, ou bien nous prenons en compte toute l'école privé. De façon générale, privée ou publique. Parce que l'on parle de l'école qui ferme et qui pas fonctionné par rapport avec la situation PIA, ce n'est pas seulement le lycée, ce n'est pas seulement, c'est pas seulement l'école nationale. Vous comprenez? Il y a de l'autre collège
qui c'est des collèges privés, de l'autre l'école primaire tout, ou comprendre de l'autre centre d'enseignement qui purement privé, jodi a qui soit déplacé à regarder si capable collectivement en côté pour fonctionner coussi coussa tant bien que mal bas ça gien qui ferme tout carrément. Donc si n'a pas le de l'école qui pas fonctionner de l'école ou pas contre qu'il est là pour vivre. Donc est-ce que chiffre sur là il concerne seulement les écoles publiques? Non, nous voulons parler de toute l'école. Alors, mentionner l'école, mentionner le lycée, c'est parce que c'est de l'école publique, oui. Mais c'est toute l'école qui n'a mis à bord de pas fonctionner. Et que c'est l'école pour organiser, qui a fait des cours en ligne, sur information qui vient, que c'est de l'autre l'école privée laïque, l'école protestante, mais tout, l'école, ça ne va pas fonctionner. C'est vrai que, en pile là-dedans, on fait des cours en ligne pour élèves, pour pour si vous avez arrêté connecté à la question enseignement apprentissage, mais nous dit ça pas suffit. Donc là, on a parlé de l'école, nous parlons de l'école privée et l'école publique. Vous dites au niveau de cabaret, ou comme nous avons parlé, ce n'est pas seulement le département, c'est pas seulement Port-au-Prince qui est le département de l'Ouest, là, on parle de l'autre côté, le département de l'Ouest, l'école. Donc, est-ce que nous avons une idée de situation de cabaret? Effectivement, cabaret, à cause de Canaan qui est tout près, et cabaret, des fois, et violence, yo, kon, même avec cabaret, et suivant les informations qui viennent du inspecteur principal, là, il dit clairement que l'école cabaret, yo, c'est à 20-30% de fonctionner. Donc, c'est pareil pour Akaye. Pas oublier que Akaye, dans le système scolaire Akaye, nous avons Mouri, il a dans les zones Mouri, il y a une zone qui complètement l'école, yo, presque pas travaillé du tout. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile. Pour le département de l'Ouest, à part la zone moins citée là, à savoir la Gonave qui a travaillé depuis octobre, et Tigouave, Léogane, Grand-Gouave et Carrefour qui font un gros effort pendant il y a de cela deux semaines qui ont travaillé normalement, et bien l'Ouest là est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Bon, il y a des zones vraiment reculées, par exemple, l'école font parisienne travaille normalement, sans camper. L'école qui font parisienne, mais ce n'est pas le cas pour l'école qui grandit, parce que au compte grandit, il est même côté situé, il est en mi-temps violence. Donc l'école grandit, pas qu'à arriver à fonctionner normalement. Donc il est clair que tout ça n'a dit là, c'est des projections, puisque pas une personne qui connaît qui le a bien sécurité qui a permis que Timonio dans toute tranquillité prend chemin l'école qui s'est fait par exemple pour examen 9e année fondamentale là, et question 4 nouvelles matières que ministère là inséré dans la curriculum. Effectivement, nous avons 4 nouvelles matières que nous insérons dans le programme avec l'école fondamentale là. Année ça, dans l'examen 9e année par gagné, et bien, élèves ont pu composer sur 4 nouvelles matières. Ça, n'oubliez pas l'éducation à la technologie et aux activités productives, éducation physique et sportive, éducation esthétique et artistique, et puis éducation à la citoyenneté. Donc, matières ça, élèves ont composé là-dedans. Mais, faut qu'on ne pas paniquer, faut qu'élèves ne pas paniquer, faut que directeur de l'école ne pas paniquer. Parce que c'est une phase pilote la bien. Élève là a déjà gagné 50% sous note là. Donc ça veut dire élève là qui peut proposer pour 50% seulement au ministère là. Donc c'est une phase pilote et ensemble de matières, nouvelles matières, ça nous connaît que nous soumettons à tout directeur d'école, module, programme, et programme là. C'est sûr que va être pour tout ça dans le programme là. C'est ça fait aller ça. Dans la phase pilote, le ministère a décidé de 50% depuis que tout le monde a participé à l'examen. Il a 50% dans notre salle. Et toute nouvelle matière, c'est des matières qui sont importantes pour le développement de l'académie intégrale. Nous avons parlé de l'éducation à la citoyenneté. Directeur Lussol. Les nostalgiques de l'institution civique et morale. Eh bien, en essayant de la dégradation qui fait. Sciences sociales, là, côté, nous fait histoire et zéro, et puis nous fait éducation à la citoyenneté. Donc, nouvelle matière, ça, vous pensez que d'ici 2027, suivant ça, on dit, monde qui finit descendre 9e année, eh bien, il a tout bon certificat d'aptitude sous ensemble de
de s'arrêter à prendre soit des bêtises, soit natifs de production. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nouvelle matière là, nous pas de paniquer du tout, il n'est pas de paniquer. Si nous avons composé là d'ailleurs, et si nous avons automatiquement participé dans l'examen, il y a bien 50% dans notre là. Oui, non, mais il y a 50% dans notre là. C'est Youn, mais qui ça a emmagasiné? Est-ce que si vous pas suivre le cours, est-ce que c'est pas encouragé? On a parlé de deux bagages. On a parlé de. L'école reprend pour certaines écoles, mais pas oublier que ce n'est pas toute l'école qui travaille. Okay. L'école qui travaille, et bien justement, il y a qu'à composer. Normalement, l'école qui peut travailler, et bien après que la situation est améliorée, il est ça à gagner une date pour proposer. Et puis, bon, les ça, il va bloquer puisque nous parlons pour toute situation. Mais nous, par contre, dans les médecins qui est très important, c'est présentation, relever notes. Final en ligne. Il y a un communiqué qui sorti hier sur le relevé de notre Timon. Côté, il doit faire obligation à tout directeur de l'école, même gens, depuis l'année dernière, directeur de l'école doit faire expérimentation sous inscription en ligne. Et l'année dernière, c'est directeur de l'école même qui était inscrit élève en ligne pour 9e année. Même gens, je sais l'année sans encore, ils commencent depuis février. A inscrit tout élève de la première année jusqu'à S4 en ligne. Et je dis à la, dans l'Ouest, il y a 738 000 élèves qui ont inscrit en ligne. Et c'est directeur l'école qui fait. Sur plateforme CIG, ministère, c'est système d'information et de gestion de l'éducation qui est disponible. Eh bien, à partir de l'année ça, l'école a pour obligation. Décision de fin d'année, décision finale là, pour poster lui sur la plateforme ministère là. Ça, il fait pour plusieurs raisons. Même là, d'ailleurs, c'est pour gérer les questions d'archives de l'école là. Nous connaissons qu'en Haïti, nous sujet avec une bonne catastrophe naturelle, la pluie qui a tombé, inondation, tremblement de terre, mais violences qui sont faites. Nous là tout, qui a fait qu'il y a un pile d'école qui veut dire archive. Et mais nous prenons des décisions pour que, au moins ça, relever notre timon ça. Liste de décision timon ça, et bien là, tout processus sous plateforme ministère là, et tout pour avoir gagné accès là-dedans. C'est pour une décision qui prend pour qu'il soit interdit ou bien éliminer carnet. Pour couvrir carnet scolaire. Remise carnet scolaire, c'est une activité qui est vraiment importante dans la vie scolaire côté de tout le monde qui parle pas carnet. L'école y a quatre contrôles, il y a carnet, mais liste de décision à poster sur le site ministère là, ou à poster sur la plateforme CIG là. Et, si on une bague qui est très importante, c'est qu'on déficit. Année ça, nous, dans un communiqué hier là, il y a trois modèles que nous proposons. Trois modèles que proposer à la nation, à parents, à directeur l'école, à toute la communauté éducative là, côté coefficient, il faut respecter. Et nouveauté qui est dans l'histoire, ça, c'est que dans le relevé de notre créole et français, il y a même quantité de points. Ni créole, ni français, c'est sous 300 euros. Donc, nous avons des directeurs l'école, il faut respecter ça scrupuleusement. Poster et faut que tenir compte tout de toute nouvelle matière. Par exemple, pour cinquième année fondamentale, on connaît faut gagner quatre nouvelles matières. Pour S1 jusqu'à S3, faut toute nouvelle matière poster. Pour la 9e année, c'est même bagarre. Ça veut dire, c'est une décision qui prend. Pour nous gérer les questions archives l'école, nous connaissons de l'école qui crave et nous sommes perdus une bonne archive là, la violence qui était gagnée avec des ans de Johnny Tapulat là, en pile l'école, crasé, en pile archive perdu et dernière école en date, c'est l'école Élie Dubois et profiter. Oui, c'est parti, nous avons l'école ça, ou l'école qui est plus de centenaire. Et que arrivé vandaliser, mettre du fil là-dedans en bas la ville. Là. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Donc, je dis ça, c'est pour nous éviter plus devant un candidat, un petit monde, ou élève l'école, besoin d'attestation pour le bagage. Laisse ça,
Il y a un petit monde qui a besoin d'attestation. Seulement, monter sous site là, monter sous la plateforme ministère, il a plus accès à ce service-là. Monsieur Louis Seul, comme directeur départemental éducation dans le département de l'Ouest, je pense que je ne peux pas trop si moins poser aux questions ça. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'école qui n'est pas fonctionné, mais avec un certain focus dans le centre-ville Port-au-Prince. Mais je dis à tout un paquet de l'autre commune qui a voisiné Port-au-Prince ou bien qui est dans la région métropolitaine. Donc, situation pas trop différente. Pour une commune de Coudelma, la même information que j'ai gagné, sorti Delma 33, soit descendre jusqu'à Delma 17, bon paquet de l'école qui est obligé et fermé. Donc, est-ce que vous autres, au niveau du ministère, nous font travail d'inventaire, si nous gardons comme ça, pour nous garder qui quantité l'école qui pas fonctionné et qui quantité l'école tout cas fonctionné en ligne? Parce que au-delà de l'école qui ferme à cause de violence avec l'examen, mais pendant cette période de l'école fermée, il y a un paquet de professeurs tout qui tout profite là, qui pied, soit dans Biden, ou bien qui fait l'autre choix qui quitter zone métropolitaine. Donc, est-ce que vous autres, au niveau du ministère, nous font travail comme ça, sous question l'école qui soit pas fonctionné, qui soit boulé, qui soit crasé, ou bien qui ferme porte physiquement qui a fonctionné en ligne? Si oui, qui ça suffit? D'accord. Mais pour faire cas de Delma, de Badelma. De Badelma, effectivement, nous avons une situation de Badelma, parce que dans Badelma, en plus de l'école privée que nous avons, mais nous avons plusieurs écoles publiques. Nous avons le lycée Daniel Fiolet qui est en bas, et le lycée La Saline qui est en bas, donc nous chargeons l'école nationale du Canada, l'école nationale dominicaine, qui, eux-mêmes, et nationale dominicaine, c'est dans Delma 6 liés. Nous avons des discrètes au monde qui m'ont dit qu'ils sont mis dans la zone de Saint-Martin. Ça veut dire que c'est de l'école nous. On est qui dans une situation extrêmement difficile. Il y a des fonds qui font. Pour nous garder, si nous avons sauvé l'école publique, mais malheureusement, situation violente qui est dans le pas qu'à permettre que l'école privée qui n'a pas d'elle-même fonctionne. Vous conscient de ça? Nous connaissons l'école, ça est vraiment en difficulté. Qui est là-dedans qui est déplacé, caché de l'autre local qui pivot. Qui est dans la zone Piro à l'aéroport, parce que si vous pour vous-même Piro à Pibon, bon, c'est des situations que nous avons gérées. Mais nous répétons, nous avons une quantité, et des mesures qui peuvent. Bon, par exemple, si nous prenons le cas du lycée et de La Saline, tout le monde connaît le lycée La Saline, dans quelles conditions, donc à l'ouvrir en bas, et qui a passé très très bien, qui violence sur fait l'objet de mourir. On partit là-dedans, on est réfugié dans le lycée Toussaint. Bon, le lycée Toussaint vit dans la situation là. Je dis à là, c'est dans Delma 31 que nous venons espace. Nous avons des signes d'aménagement espace pour nous pouvoir fonctionner. C'est presque le même cas pour le lycée Daniel Fiolet. C'est Daniel Fiolet lui-même qui est dans 18, Delma 18, dans Delma 18 là, qui est obligé de passer, nous avons gardé avec responsable pour ça, qui sont cafés et. Jodi à là, nous avons des espoirs pour l'école, ça justement, et nous avons besoin d'espace. Nous avons des partenaires qui ont aidé nous tous. Je voulais parler de UNICEF, qui a joué une possibilité pour relocaliser, améliorer, faire des réparations dans des espaces pour nous engager l'école publique. Mais pour l'école privée, malheureusement, nous n'avons pas qu'on ait des réponses. C'est vrai que en pile dans l'école privée, il n'a pas tellement on est. L'école qui est dans Delma 24 et tout le monde qui a passé dans Delma 24. Je dis, l'école privée qui est dans Delma 18 et situation vraiment, vraiment difficile. Directeur, gagné dans Tomazo, pas jeune gagné l'école dans la zone ça. Est-ce que nous-mêmes, dans le niveau ministère, nous déjà une stratégie pour nous permettre de suivre la quantité et nombre d'heures que nous avons suivre dans le programme? Alors, on y a deux communes qui dépendent du district scolaire de la Croix des Bouquets. C'est Tomazo et Cornillon. Bon, heureusement pour Cornillon, qui vous tient un peu éloigné, l'école fonctionne normalement, que c'est l'école publique, que c'est l'école privée. Mais Tomazo, nous connaissons ses bases et violences liées. L'année dernière, pour me faire examen, Tomazo est obligé d'utiliser des stratégies énormes, puisque. Bon, même prendre décision, à un certain moment, je me dis que je ne vais pas faire examen Tomazo, parce que pas de possibilité du tout, pas de possibilité pour me dire que l'élève Tomazo proposer Tomazo, je vais m'imaginer de faire
vin pipre quoi des bouquets ou bien vin pipre tabac pour te composer. Mais finalement, déjeuner en formule et les vieux te composé. Mais Alexa, situation pas bon du tout dans la zone ça. C'est une zone pleine là, il va pas. Nous avons seul côté dans la plaine là, dans la zone quoi des bouquets, le plus ou moins marché. Et imaginez qui est qui côté, c'est Canard. Toute l'école qui Canard a fonctionné. Parce que monsieur qui est responsable zone ça, il est obligé, il pour tout dire que l'école l'ouvrir l'école et pour l'école fonctionner. Donc malheureusement, c'est une situation ironique, mais c'est ça lié. Donc c'est une situation qui est vraiment difficile. Et n'a pas géré au cas par cas. On connaît Tomazo, effectivement, depuis l'année dernière, des connaissances zone qui extrêmement difficile. Bon, en tout cas, c'est ça la situation à l'Ouest. Et n'a pas gardé, on a souhaité que très rapidement, j'aime détendre et au plaidoirie et on a plaidoirie, intervention de Johnny. La situation retourne à la normale et que toute l'école nous fonctionne normalement. Merci un peu le directeur. Je vais un peu la question qui a venu, mais la difficile pour nous prendre toute question. Ça y est, matin, peut-être dans l'autre occasion, on va parler avec le directeur départemental éducation l'Ouest. Merci un peu.